dans 15 ans, t'as entendu. Trop bien. Allez, oh, putain. On accueille Manu Payet. On tourne un jour de grand soleil, il fait très chaud. À vous parler. Ah oui, on parle. Merci. On a eu des petits problèmes de micro juste sur la blague, soucis, malheureusement. On a pu sous-titrer ça au dernier moment. Voilà. Merci d'être là. Merci à vous. L'Olympia qui arrive, là. Ouais, ouais, bah, un grand pas, ouais. Un grand pas, gros stress. Bah ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est toujours le moment où tu te dis, tu t'es battu pour dire à ton producteur, mais je veux faire l'Olympia en tapant du pied dans son mur. Et après, tu l'as et il te dit, ok, c'est bon, tu fais l'Olympia. Et la veille, tu te dis, pourquoi j'ai demandé ça, quoi. Pourquoi je me suis mis dans ce truc et ça là, c'est demain. Ça se prépare comment la veille? Tu fais attention à ce que tu manges? Il y a une petite préparation ou pas du tout? Alors attends, est-ce que je fais attention à ce que je mange? Alors moi, ne pas être malade. Ah, tu veux dire ça? Au tacos, à la montagnard, tout. Comment? Un bon tacos la veille. Qui reste au soleil. Est-ce que tu cherches la merde la veille? Bien nickel, sur une place de marché. Non, je fais pas attention à ce que je mange parce que je ne mange pas en fait, par définition. C'est ça le stress, c'est que tu bouffes rien. Tu penses à la bouffe que tu vas faire une fois que tu auras fait l'Olympia. Et que si ça s'est bien passé, ça va être gros, ça va être opulent. Il va y avoir beaucoup de bouffe. Et là, tu seras malade. Bon, 21, 22 septembre à l'Olympia. Et après, on va mettre toutes les dates de la tournée dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez aller checker ça. Tu connais un peu l'émission ou... Oui, je connais un petit peu l'émission. Ouais, ouais. On commence par le CV de l'invité. D'accord, ouais, ouais. Petite question rapide, petite réponse. Voilà, simple et efficace. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Alors, Emmanuel. Payet. Emmanuel. Âge, 43 ans. Parfait. Profession des parents. ma mère est à la retraite aujourd'hui, elle était enseignante infirmière. Et mon père qui est parti, là-haut, il était à Air France, il travaillait à Air France. Il était directeur du fret d'Air France. Ouh. Directeur du fret, transport de marchandises. Voilà, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui est dans la soute. Il y a plein de vannes qui nous viennent par ça. Bah, alors, évidemment. Situation familiale. Paxé. Ok. Paxé, papa. Paxé, papa. Ouais. Papa, combien de fois? Une fois. Une fois. Ça ouais. Change vraiment la vie? Ça change totalement la vie, ouais. On voit les trucs différemment? Oui, oui, oui. Enfin, on voit les trucs avec plus... Enfin, t'aimes... Plus de cernes, déjà. Ouais, ouais, ouais. Ça, tu dors moins, mais t'es moins vénère de te faire réveiller quand c'est un petit bout comme ça qui vient te... C'est une petite fille que j'ai... J'ai toujours su qu'une femme bouleverserait ma vie un jour, mais je n'imaginais pas qu'elle serait si petite. Oh. C'est toi qui t'en occupes, t'arrives à... Au début, comment on prend les gestes, tu sais? Ah, mal, on est un garçon au début. Bah oui. Pourquoi? Moi, quand on met les enfants des autres, tu sais, dans les bras... Ah bah oui, ouais. Encore, je sais pas trop moi, comment... Moi, je tiens comme ça. Je sais pas, le roi Lyon. J'ai peur de faire mal, du coup, je tiens comme ça. Ballon de rugby. Oui, c'est que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sale, ça pue, ça va bien. Dans la gastro, tu disais que ouais, ça dans ça. L'autre sens sur la personne en face de toi. C'est les petits gestes que tu apprends au fur et à mesure, ça de devient papa. Mais en fait, je suis bien content qu'on m'ait bousculé pour que je le fasse, parce que moi, j'avais peur de devenir papa, parce que je voulais pas que ça bouscule trop ma vie... Professionnelle? Non, ma vie de gars coup, qui ouais. peut mater des séries jusque très tard. Et ça chamboule tout en mieux, voilà, quand ça vous arrivera. Je vous souhaite que ça vous arrive, c'est très très bien. Tu veux des gosses, toi? Ah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien bientôt, là. Pareil. 10. Mais c'est peut-être un peu beaucoup dès le début. 10. Non, vraiment. T'en veux d'un coup. Tu en veux d'autres après, toi, ou c'est trop de boulot déjà un? Non, j'adorerais. Mais, vous voyez, non, il faut les faire. Alors, c'est ouais, faut le temps de le faire, ouais. C'est un. Revenu fiscal déclaré. Alors, tu peux choisir l'année. Hein. Tu peux choisir l'année. La première, c'est la moins. Ou le pays. Très honnêtement, franchement, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est que je gagne assez pour payer les impôts que j'ai en retard. Ça, c'est ça le gros problème de ma vie. C'est que je n'ai absolument rien. Je suis vraiment pas le gars à braquer là maintenant, quoi. Le retard, c'est pas que sur le que sur les impôts, je crois, non? Ah non, c'est sur la vie en général. Un retard, on parle souvent, etc. Ouais. Là, je suis arrivé. À l'heure pour faire, ouais. T'es arrivé à l'heure, ouais. Ouais, ouais, mais alors vraiment le concours de circonstances de ouf. J'ai pas fait exprès d'arriver à l'heure. Tu l'as pas fait exprès. Je suis désolé. Tu dis putain, bon allez, je vais aller une heure à côté. J'ai fait tout pour arriver en retard et je suis arrivé. Non. Alors, dernière fois que tu as eu affaire à la police? Ah bah ça, c'était avant d'être un peu connu. C'est que avant, moi, je travaillais à la radio. D'accord. Et
Et j'avais le premier truc que j'ai fait, parce que je suis réunionnais. Attends, excusez-moi, juste, le, ouais. T'es de la Réunion ou t'aimes juste... Ah, t'es de la Réunion aussi? Ouais, ah, énorme. Yeah, big up pour vraie... Paris Lyonnais qui regarde sur YouTube aussi alors. Tu sais, il y a toujours les comiques marocains, les comiques algériens, les comiques antillais, les comiques voilà, qui viennent d'un bled plus loin que les Yvelines, comme moi. Il y a toujours ouais, ils sont toujours 17. Nous, il y a toujours une personne. Il n'y en a jamais plus. Toujours. Bah, je suis content. C'est beau, voilà. Tant en plus. C'est quoi ton prénom? Amandine. Salut, Amandine. Non, et donc, en bon réunionnais que je suis, j'ai acheté une voiture. Et donc, en fait, j'avais une voiture qui ne correspondait pas, selon la police de l'époque, à ma gueule. Donc, je me faisais arrêter tout le temps. Et souvent, je ne savais pas, en fait, que j'étais victime d'une forme de racisme, quand même. Ouais. Je me souviens très bien où c'était. C'était pas loin de la maison de la radio. J'allais à la radio, d'ailleurs, où je travaillais déjà à l'époque. Mais c'est pas la même. Et il y a un flic qui m'a arrêté, et j'avais une casquette comme ça. Et j'avais un peu plus de barbe. Et hyper sûr de lui, il a dit « Bon, allez. » Et à qui la voiture? C'est horrible! C'est horrible! C'est hyper drôle! Il était prêt à être cool avec celui-là, avec ce délinquant-là, ce voleur-là. Tu vois ce que je veux dire? C'était quoi la voiture? Bon, pourquoi ça faisait une bonne gueule? Vous ferez que 5 ans. Allez. C'était une trop belle voiture pour ton âge? Bah, c'est lui qui a estimé ça, c'était une Audi A3. Et t'as mis un PV ou rien à voir? À l'époque, c'était vénère. Pardon. Non, il t'a mis une amende, il t'a cherché la merde après ou non, pas du tout, j'ai dû... Alors, je vais vous dire, je vais aller même plus loin, c'était terrible. En fait, je me suis rendu compte vraiment qu'à posteriori, que c'était vraiment le racisme. Je venais d'arriver à Paris, je connaissais pas trop bien les codes, etc. Et puis chez nous, il n'y a pas ça, si tu veux. Donc, je sais pas, ça marche pas comme ça. Du coup, je n'avais jamais été confronté à du racisme, ouais. Et donc, il me dit ça, ils me font sortir de la voiture, parce qu'il y a un autre qui vient, etc. Donc alors lui c'est on, tac, donc je sors de la voiture et tout, et je leur montre mes papiers, donc ils voient que je m'appelle Emmanuel et tout ça, tu vois, puis ils font ça, des double takes, genre, mais ce gars-là peut pas s'appeler Emmanuel, c'est pas possible, tu vois, et, ils m'ont demandé les prénoms de mes parents. Pour vérifier à la radio? Non, les prénoms de mes parents, comme ça, c'est quoi les prénoms de vos parents? Ce qui est terrible quand même à faire ça, c'est-à-dire qu'on va voir quand même d'où tu viens. Ça se trouve tes parents t'ont appelé Emmanuel, mais eux c'est des je sais pas quoi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai répondu très naïvement, j'ai dit, on dirait une vanne, mais c'est la vérité, bah, Gérard et Monique. Genre c'est vrai. Et le gars dit, vous foutez de notre gueule. Comme si, parce que c'est vrai que si t'inventes des prénoms de parents, c'est franc. Tu dis Gérard et Monique, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est les prénoms qui viennent. Monique, c'est mon exemple à chaque fois. Ouais. Voilà. Quand j'ai un nom. Gérard et Monique, bon, ils se foutent de notre gueule. Non, je vous jure que c'est Gérard et Monique. Et à un moment, ils se sont dit, OK, ce gars, en fait, ne ment pas. Et on est en train vraiment d'aller beaucoup trop loin avec ce mec. Sauf qu'à l'époque, c'était début 2000. Tu pouvais aller trop loin et que ça se noie, machin. Ouais. Tu pouvais pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc, je suis remonté dans ma voiture et j'ai raconté ça à des mecs parisiens en arrivant à la radio. J'ai dit, putain, je viens de vivre un truc hyper bizarre et tout. Il dit, bah, tu viens de vivre un truc hyper raciste, surtout, Manu. Et c'est là que j'ai compris ce que ça pouvait être que de vivre ça au quotidien. L'autre côté de cette histoire, c'est que bien souvent, les flics qui t'arrêtent, et je me suis fait arrêter bien souvent, sont réunionnais et ont été à l'école avec moi. Ah, voilà. Le film dans lequel tu étais le moins bon? Alors j'en ai deux. Ah, j'en ai sept. C'est drôle ça. Non. Bah après, normalement c'est plus sain de jamais se trouver bon. Hein. Ouais. Mais le film dans lequel j'étais le moins bon, je vais répondre pour moi. Ouais. Je dirais RTT. On le voit vraiment, tu t'en rends compte après en te regardant la différence de jeu d'un film à l'autre? Bien sûr. C'est pour ça que les grands acteurs et les acteurs en général, les acteurs et les actrices, leur jeu mûrit. T'as joué un truc hier dans un film et que là, tout à l'heure, tu traverses la rue, il y a une voiture qui manque de traverser. T'as vécu un moment fort comme ça, t'as eu hyper peur. Et ben ton jeu demain, forcément, même sans que tu le veuilles, sera meilleur. Ou en tout cas, sera différent. Sera enrichi par la vie. Le fait d'être papa, le fait de perdre ton papa, le fait de te faire renverser par une bagnole. C'est pour ça que, en général, plus les acteurs vieillissent, meilleurs ils sont. Et oui, Jamy. C'est quoi? C'est vrai, il manquait plus qu'une maquette. Ils avaient encore des situations. Et tu pleurais, je me dis merde. Le mec qui t'a rémoti. Tu fais l'émission avec un pote, il chiale tout le temps. Putain, c'est bon. Et là, maintenant, t'as 43 ans. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un truc. Est-ce que c'est mieux à 40 ans avec Manu Payet? C'est parti.
J'ai dit Manu Payet, c'est Manu Payette. Franchement, c'est comme vous voulez. C'est comme vous... Là-bas, on dit comme ça, bien sûr, bien sûr. Mais ici, c'est comme vous voulez. C'est, voilà. Quand on dit paillette, je me dis, ah tiens, donc Amandine, toi, tu dois être réunionnaise. Ou alors toi, je dis, ah toi, t'es allée en vacances à La Réunion. Vas-y, ça, c'est tu vois la différence. C'est les gens qui savent. Alors, est-ce que quand on passe 40 ans, il paraît que c'est la seconde étape de la vie d'un homme, est-ce que le sexe, c'est mieux après 40 ans? Bah, là, t'as encore envie pour baiser, donc ça, c'est un peu cool. C'est un peu cool. Ce qui est super, c'est de pouvoir baiser le plus tôt possible jusqu'au plus tard possible. Jusqu'au plus tard. C'est en général souvent bien. Hein. Ah oui, c'est bien en fait le sexe. Hein. C'est cool. C'était une super analyse. Non, merci Jamy de C'est pas sorcier. C'est super le sexe. Alors, après le sexe, l'argent. Moi, je suis pas du tout dans un calcul de... Moi, quand il y a, je suis content. Quand il n'y a pas, bon, bah, je me démerde pour aller en chercher parce qu'il faut bouffer, etc. Mais je ne suis pas du tout dans un calcul. Pour moi, c'est un outil, c'est un truc du présent, etc. Ça ne doit pas guider, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne doit pas guider nos actions et nos agissements et, notre contrôler, notre régir quoi que ce soit ici ou là. En fait, ce qui est bien passé 40 ans, c'est que tu es un peu plus d'accord avec toi-même. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que je suis plus cool avec ce que je suis et qu'avant, j'étais plus dur avec moi-même. Et j'ai l'impression qu'à partir de 20 piges, t'essayes de ressembler à des modèles, etc. Et que tu te dis, putain, j'y arrive pas, merde ! Voilà, et que t'es vénère contre toi et tout. Il y a un moment où tu t'aimes carrément pas. Il y a un moment où tu te re-acceptes, etc. T'as 30 piges après, tu te dis, vas-y, voilà, je vais casser n'importe quoi. Donnez-moi un truc à casser. Voilà, t'es chaud, t'as envie de tout péter, tout ça, etc. Il y a un moment, et voilà, vous verrez, tu passes 40 et tout, tu te dis, ah putain, mais on s'en fout en fait de ça. Gardez-vous un truc qui vous a toujours fait halluciner depuis que vous avez genre 15 piges, tu vois, et repensez-y à plusieurs étapes de votre... Le sexe. Le sexe, alors, 15 ans. Ça peut être le sexe. Si c'est vraiment tout le temps ça, c'est que... est-ce que les potes, c'est mieux quand on a 40 ans? Ouais, parce que tu fais un autre tri aussi. Tu fais un autre tri, tu te prends moins la tête. Franchement, tu te prends moins la tête. Tu rentres moins le bide. T'es moins dans un truc de, voilà, ça, nanana... T'es pas en permanence en train de faire ça. T'es nature. De toi-même dans ta vie de tous les jours. T'es un peu plus nature. Alors évidemment, on garde un peu de dignité, tu vois. On n'arrive pas à poil au restaurant, par exemple. Hein. Parce que 40 ans, les couilles, on met encore des fringues. Mais en tout cas, on s'accepte un peu plus. C'est... Moi, je trouve ça plus simple. T'as fait beaucoup de radio. Est-ce que ça a été une bonne école pour la comédie? Est-ce que tu trouves que c'est bien de faire de la radio pour faire comédie? Bien sûr. Après bien sûr. Ah ouais, la radio, c'est le plus formateur de tous. Moi, je vois souvent mes copains comédiens, tu sais, ceux qui n'ont jamais fait de radio. C'est vraiment une richesse. Je ne me doutais pas que la radio allait autant m'aider à aller, après, par exemple, au bout de cette phrase. Ouais, je comprends ce que je... T'avais des problèmes avant d'élocution? Non, mais je sais que je vais bien la dire. On avait des phrases d'élocution à la radio qui sont impossibles à dire. Je crois que la plus difficile que j'ai eue, c'était « Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. » Ah, vite. Répète. Attends. « Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. » Il faut aller chercher le chat... Non, mais c'est impossible, c'est la pire. « Il faut aller chercher le chat... Le... » Oh, putain. Tu peux essayer ? Il faut aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Je l'ai bien dit pendant que tu l'as dit. Je l'ai bien sorti pendant qu'il l'a dit. Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc marrant ? On se refait une émission de radio. On fait le QG Radio Libre. On appelle ça « Manu dans le 69 ». Change un petit peu le nom de l'émission actuelle. On se met là et on prend certains d'entre vous. Il y aura des boules avec à piocher comme dans Motus, avec des petits problèmes à l'intérieur. Voilà. Et il y aura le docteur Manu pour répondre à vos problèmes. On fait ça ? Génial. Allez, c'est parti. Tous les soirs, c'est Manu dans le 69. Bonsoir. Ah, vous avez tout le matos et tout, c'est génial. Attends, alors normalement, on a même... Ah oui, on a un son radio. On a le petit retour. Putain, c'est génial. Qui fait plaisir. Regarde, ça nous rappelle un petit peu... Ah oui. J'espère qu'on pourra prendre le son, en tout cas. C'est génial. Bonjour à vous, bienvenue, monsieur le docteur. Eh ben merci, bienvenue à vous les garçons. C'est parti pour 3 heures d'émission, j'espère que vous êtes accrochés. Vous avez un problème, vous nous appelez dès maintenant ici, ou alors plutôt, venez chercher une boule, parce qu'on n'a pas de téléphone. Alors tiens, on va commencer par quelqu'un au hasard. Tiens, vas-y, on commence direct, c'est parti. Allez, viens chercher une petite boule. Quelqu'un au standard qui nous appelle. Salut, t'as quel âge, t'appelles d'où? Alors, 23 ans et j'appelle de région parisienne, dans le 77. Ton prénom, c'est quoi? Julien. Très bien. Alors, t'as un problème dans la vie, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que j'ai souvent envie de commander un bon god pour mon mec, mais je ne sais toujours pas lequel, malheureusement. J'ai cherché, hein, mais bon.
je veux dire, c'est un amour récent, tu es avec lui depuis longtemps ? Ouais, 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi, ouais. Ah oui, donc en fait, tu veux relancer, raviver un peu une espèce de flamme qui commençait à s'éteindre ? Ouais. Prends un gros machin. Prends un gros machin, c'est tout ce que je peux te conseiller. Regarde quand même qu'il soit de norme NF, norme française, tu sais, dessus. Parce que des fois, c'est fabriqué, on sait pas où et tout. Et ça, voilà. On n'a pas envie de finir aux urgences avec ton copain, essayer de faire retirer le machin. Faut pas aller trop loin non plus. Oui, non. Reste à la limite, à la frontière du raisonnable. Ok. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ton problème. Ouais, je pense que je vais y réfléchir. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Julien. On a quelqu'un du standard qui appelle de la Réunion. Ouais, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 14 ans. Non, tu peux prendre ta voix normale. C'est cool. Surtout de la Réunion. C'est bizarre, on dirait que vous êtes à côté de moi, mais vous... Mais on est à côté de toi. Ouais. C'est ça qui est bien. Okay. C'est quoi ton prénom? Amandine. Ah, pour de vrai, Amandine. Amandine. Alors Amandine, il y a des boules noires, elle a pris la boule noire. Ok. Quel est ton petit souci, Amandine? J'ai beaucoup de soucis, je vous appelle parce que ma copine elle fait des groin-groin pendant l'acte. Wow. Des quoi? Des groin-groin? Des groin-groin. Elle fait des groin-groin? Mais votre copine, on peut dire, enfin, si je peux me permettre, on peut dire que c'est une cochonne. Je pense qu'il n'y a aucun problème, Amandine, vous êtes juste avec une cochonne, moi j'ai envie de vous dire, au contraire. Profitez-en. Et votre copine, vous l'avez rencontrée à La Réunion ou vous l'avez rencontrée en France? Non, mais enfin, je crois que j'ai fait de l'amour dans le pré, je me suis trompée au niveau du... Non, j'étais dans le... Ah, c'est ça, vous étiez... Ouais, d'accord. Dans le foin. C'était l'amour et dans le foin. Ah, bah voilà. Ah, ça, non, merci Amandine. Merci Amandine. Je crois qu'il y a quelqu'un au standard, monsieur le docteur, qui a un gros... Ah, il a levé la main très très haut. Il est très fier. Ah, très bien. Il a très envie de passer. Bonjour. D'accord. Alors, bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Près du micro. Ouais, toi. Comment t'appelles-tu? Youssef, on m'appelle Mysterio. Ah, bonjour Mysterio. Oui. Mysterio, tu es dans un Marvel récemment ou tu... Oui, non, dans le Marvel Comedy. Dans le Marvel Comedy. On a un très bon public aujourd'hui. Oui, de, c'est vrai. Tu, c'est tu prends un petit problème? Alors. C'est des boules, donc j'hésite entre la bleue et la noire. Ok, la noire, Youssef. Manu. Ok. Alors... Mysterio. Youssef, tu viens d'où dans la vie en vrai? Alors moi je viens de Metz. D'accord. Ouais, à côté de Thionville, frontière belge-luxembourgeoise. D'accord, ok, très bien. Si tu veux venir manger des frites, il est bienvenu. D'accord. Voilà. On sait plus Manu, mon mec il aimerait bien que je porte des perruques de couleur pour être plus sexy. Alors écoute, sur la perruque, oui. Alors sur la perruque, effectivement, oui, ça serait peut-être intéressant pour changer un petit peu le pour pimenter un peu les soirées, de partir sur une perruque un petit peu, je sais pas, je trouve qu'un avec beau carré, des tresses, un beau carré. Je te vois pas comme on est à la radio malheureusement. Il faudrait que tu nous envoies ta photo pour que je puisse vraiment juger, mais là comme ça moi je te le dis, de garçon à garçon, le carré moi j'adore. On se trompe jamais sur un beau carré. Tu me fais... tu es brun ou blond? Je ne te connais pas. Je t'ai... Bah, écoute, tu es comment? Bah, j'ai le corps tout blond et puis j'ai le visage brun. Ah, on est sur t'es du bicolore, tu es donc à Malabar, Youssef, y a pas de problème. Bah ouais, tu peux mâcher comme tu veux. D'accord. Écoute, tu sais, les perruques sont vraiment... On dirait la radio des années 80 dégueulasses la nuit. Il y a des mecs. Non mais c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Les perruques, je vais faire une réponse années 80. Les perruques, tu sais, aujourd'hui on est en 87, depuis avant-hier hein, déjà, on est le 3 janvier. Les perruques coûtent encore très peu cher, je pense. Fais-toi vraiment un grand plaisir, Youssef. Achète-toi deux perruques, une brune et une blonde, et kiffe avec ton copain. Vas-y en multicolore. Ah, juste ta voix, je kiffe. Okay. Merci, merci beaucoup. Merci Mysterio. Tous les soirs, c'est Manu dans 69. Bravo. C'est agréable la radio quand même. Ça t'a rappelé des souvenirs ou pas? Ouais, ça rappelle des souvenirs. C'est super. Le cinéma ou la radio, si t'avais un choix à faire aujourd'hui? Cinéma. Je pense que ce qui est génial aujourd'hui, pour moi et pour c'est de ne pas avoir de patron. En fait, moi, j'ai pas de patron. Donc, moi, j'ai pas des comptes à rendre à un gars. Alors, je les aimais beaucoup, mes patrons de radio. Mais en tout cas, je devais répondre à des mais gens. Mais le mardi, j'avais envie de leur péter la gueule. Bah non, mais tu sais, j'ai fait plein de conneries à la radio. Je me suis fait engueuler, je me suis fait menacer d'être viré plein de fois. C'est quoi la plus grosse connerie que t'as faite en radio? Ouais. Il y a un truc qu'on n'est pas au courant? Bien sûr. Si. Il y en a plusieurs, ouais. Bien sûr. J'en ai fait plusieurs. La plus grosse connerie que j'ai faite, on faisait un jeu sur Énergie qui s'appelait à l'époque Énergie Collège Live. Et on faisait gagner le concert d'un artiste dans ton collège ou dans ton lycée. Il y a eu Lenny Kravitz, il y a eu plein de gars. Et à l'époque, c'était De Palmas. C'était à l'époque, il venait de sortir son album, c'était J'en rêve encore, quoi. Donc les lycées et les collèges de France se battent au standard et tout.
Sauf qu'à un moment, le truc, il était plus fort que nous, le jeu, et il y a trop de gens qu'on est. J'avais une standardiste, je ne la citerai pas, qui mettait des petits traits à chaque vote, tu vois. Puis à un moment, il y a un gars, hey, café, pff, bam, boum, bim. Et là, tu ne sais plus trop, machin. Et il se trouve que les deux derniers en compétition, à la fin, en finale, c'était un collège de Lyon et un collège de Saint-Étienne. Donc les deux villes, laisse tomber. Ah oui, c'est les ennemis. J'ai dit, bon, bah écoutez, on va trouver tout machin, parce que je dois l'annoncer dans deux minutes, donc bah comptez. Alors tout le monde comptait et tout. Et évidemment, on a compté vous comme. Voilà. Et donc j'ai fait gagner à l'antenne le collège de Saint-Étienne. Ouais, les gars, Et le lendemain, le proviseur du collège de Lyon, qui avait ouvert son collège pour que les élèves puissent venir téléphoner depuis le collège, qui est quand même un proviseur chambé, le gars est super cool, tu vois, nous a envoyé la facture détaillée des appels passés depuis son truc, qui était donc supérieur au score que j'avais annoncé pour le collège gagnant. Ah merde. Et donc du coup, bah là, voilà, donc en fait, tu vas te faire virer, puisque c'est une grosse faute professionnelle, puisque Gérald de Palmas va aller jouer dans le collège perdant. Sauf que Gérald de Palmas, il est réunionnais. Tu l'appelles ? Et que, non, je l'appelle pas, mais qu'il y a un bon Dieu, et qui donc, du coup, il dit, bon, ben, c'est pas grave, il est allé jouer dans les deux. Oh, oh. Voilà, c'est marrant, ça. C'est rigolo, les connards comme ça. On pourrait se faire une petite, parce qu'il était dans un milieu quand même incroyable aujourd'hui, le cinéma, on va se faire une petite interview, Stras et Payet. C'est parti. C'est qui, aujourd'hui, le contact le plus connu dans ton téléphone ? Tous tes copains? Ouais, c'est... Ta bande de potes, c'est invité. Ma bande, Gilles Lelouch, Guillaume Canet. Que t'as invité au Burger Quiz? Marion! Non, c'est Marion. J'ai le numéro de Marion. Marion Cotillard? Bah, tu vois, à partir du moment, en fait, quand tu sais que c'est vraiment une grosse star, c'est que t'as plus besoin de dire le nom de famille. Ouais, c'est ça. C'est Marion. Marion Cotillard, bah oui. La star que t'as rencontrée dans ta vie, qui t'a le plus impressionné? Celle que j'ai adoré rencontrer, c'est Robert De Niro. J'étais encore à la radio à l'époque. J'avais demandé au journaliste cinéma Bertrand L'Aiguillon de l'époque de me faire encore maintenant qui est toujours à la radio aujourd'hui, de me faire passer pour son assistant. Et donc je tenais une boîte qui ne servait absolument à rien pour c'est vrai, c'est drôle. À l'interview avec De Niro. Ouais. Ouais. Et charisme? Bah d'office, je pense. Bah ouais, charisme de fou. Et puis, enfin, c'était De Niro quoi. Enfin, ouais, c'était voilà, il était comme ça. Je sais pas, tout ce qu'il faisait, c'était génial. Même quand il a fait comme ça. Et t'es fan. Est-ce que t'as déjà dépensé beaucoup d'argent? Je pense que t'es genre pour une vanne, pour une blague, pour faire chier un pote. Pour une vanne? Ouais, pour une connerie. Bah non, je l'avais pas. Donc. attends, je cherche un truc. Quand j'étais à la radio, il y a un moment où on était devenu première radio de France et première, du coup, émission de France le matin, Morning FM, avec Bruno, Florian. Philippe Lelièvre, Vraiment le Mort et Henri Delorme. Et y a un moment où j'ai reçu une prime et j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit. qui soit bête. Fou. Ouais, mais toi, qui soit un truc de. Comme dans les films, quoi, tu vois. À l'époque, j'avais jamais fait de film encore. Et on est allé acheter des manteaux en cachemire. Et tu vois. C'est de la merde. En cachemire. C'est en fait après. Et attends, on est allé acheter des manteaux en cachemire. Et tu sais, sans y croire vraiment, parce qu'on n'avait pas trop envie. Pourquoi? Mais je sais pas. Pourquoi des manteaux en cachemire? C'était la première idée. Je sais pas, gars, j'avais 25 piges. C'était une idée nulle. Voilà, j'en ai eu plein. Hein. Et donc, je suis là dans le miroir. Je dis ouais. Je fais ça. Et tu sais, on était 3-4 gars dans la c'est boutique. Cher, monsieur, désirez-vous boire quelque chose? C'était une boutique comme ça, tu vois, dans le 16e. Et à un moment, il y a une vendeuse qui dit « Il y a une personne d'entre vous, je ne sais pas qui c'est, qui a marché dans une crotte de chien. » Et il y avait de la moquette blanche dans toute la boutique. Et il y avait de la merde de chien, gars, dans toute la boutique, parce qu'on a passé la matinée à faire « Ou sinon, je prends celui-là. » Ah, attendez, je vais prendre ça. C'est moi, ça. Avec Bruno Guillon, etc. Ouais. Putain, c'est marrant, on l'embrasse Bruno, ça regarde la vidéo aussi. Et vous avez dû payer ou pas, non? On était déjà des gens de radio, on a su très bien s'excuser. Voilà. C'est et, ça. Et, voilà. Oh, et comprendre dans le regard de la vendeuse qu'on n'était plus les bienvenus. Il y a un truc que tu as fait dans une interview qui m'a fait rire, enfin tu l'as même fait plusieurs fois, tu es très fort en imitation. Je t'ai vu imiter Nikos, je t'ai vu imiter Hanouna, sur le plateau de Cyril d'ailleurs à l'époque, d'Hanouna.
tu l'as fait. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse venir un imitateur très fort, ouais, très, très on vous fort. Cache. Ah, génial. On dit des noms, et c'est soit toi, soit lui, et tout le monde essaye de deviner qui imite. Ouais. Génial. Eh ben, c'est parti. Fabien ouais. Le Castel, on y va. Castel imitateur, tu vas faire des imitations avec Manu dans deux minutes. Avec plaisir. Vous vous connaissez pas du tout, non? Non, non. Vous êtes jamais vu? Est-ce que tu veux qu'il te fasse une petite démo? Ah bah oui, s'il te plaît. Tu veux quoi? Ah, on va même pas le surprendre. Non, on peut faire une petite démo. Alors, tu veux quoi? C'est-à-dire que tu me demandes un objet? Attends, est-ce que tu peux faire... Non, on le garde pour la fin. On garde pour la fin, parce qu'on en est très bon. Nikos, non, Bigard, Le Pen. Non, Le Pen. Le faut Pen. Choisir. Le Pen, non, Le Pen. Là, bon, celle que tu préfères, vas-y. Non, non, Le Pen, il le tient, le grain de voix. Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen? Jean-Marie Le Pen. D'accord. Okay. Vous savez, mon cher ami... Enfin, je ne sais pas. Je dois dire ami. Ah ouais. Puisque je n'aime pas trop la Réunion, évidemment, les tom-toms, etc. Mais j'ai vu que certains de vos films, et j'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas? T'es fort, hein, quand même. Ouais. Est-ce que tu veux venir là? Je vais mettre ça avec Jimmy. On va jouer avec tout le monde. Et il y aura des photos de stars qui vont apparaître sur l'écran. On ne va plus vous voir, d'accord? Ah ouais. Vous allez vous retourner. Ouais. Vous allez vous mettre dos auparavant. Vous allez regarder l'écran. D'accord. Et vous allez choisir qui de vous deux, il y a un seul micro, va imiter. Et nous, dans le public, alors vous qui voyez, vous ne dites pas évidemment. On va devoir deviner qui le fait, d'accord? Donc c'est parti, première photo. Ça va être la photo du coup de Nikos. Alors Nikos. Là, vous passez, vous discutez, vous avez 5 secondes hein, pour savoir qui le fait en premier. Et on va, on va essayer de deviner qui imite. Vous levez. Non, Fabien, tu lèves le pouce en l'air quand vous êtes d'accord. C'est bon. C'est parti. Alors, vas-y, on vous écoute. Ils sont dans l'arène. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé avec acharnement. Allez. Ils ont. Attends. Ah, merde. Mais oui, mais bon. Mais tu le tiens hyper bien. Bah oui. T'as, non mais là en c'est. En fait c'était moi mais j'ai imité Manu Payet derrière. Ah bah ouais. Enfin, attends tu peux le faire Fabien deux secondes. Ouais. Absolument mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans 50 minutes inside. C'est une musique exceptionnelle. Oh là là. Bon. Allez. Fort, fort. Ah oui. Vas-y deuxième. Oula Johnny. Oula. Alors mettez-vous d'accord le pouce en l'air. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Non mais attends, c'est pas possible. C'est pareil ça par contre. C'est attends, génial. Non mais ça c'est Fabien, non? Ouais, c'est Fabien. Ouais. Mais ouais. Oui. Attends, mais en vrai c'est injouable, non? C'est injouable et en plus il vient de me péter l'oreille. Attends. Vous entendez? Attends, ouais. On peut s'en refaire un, puis après, sinon, on les fera en visage découvert. Vas-y, refais-en un. Vas-y, attends, troisième. Je me mets là, si tu refais Johnny. Troisième. Ah, voilà. Ah, oui, Bon Appulvord. Vas-y. Je sais pas. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon visage, tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Ah, ça va, mon petit Manu? Ça va bien? Oh là là. Attends, Jimmy, Boulevard ou pas? Oui, tu peux imiter Boulevard ou pas? Je sais pas l'imiter, moi. Tu sais pas imiter? Tu viens de Namur comme lui, en plus. Je viens de Namur comme lui. Attends, est-ce qu'on peut enlever le paravent? On va enlever le paravent, on s'emmerde pas. Et regardez qui va apparaître. C'est dommage. Attends. Qu'est-ce que tu sais bien imiter? Alors, je sais faire... Alors, attends. Alors, j'ai un tonton que je fais hyper bien, mais bon, ça marche pas. Pourtant, je vous jure que je le fais bien. Qui c'est qui fait imiter tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, lui, pas moi. Moi, j'ai rien ouais, fait. Ouais, d'accord. Non, je vais faire Ellie. La personne a été conviée à une personnalité personnative. Ah, mais tu le tiens quand même. Voilà. Attends. Et ce salopard, celui-là, il a le grain de voix. Il a mieux que moi. Non, merde. Il le tient bien, mais alors, il a le grain de voix. Regardez, fermez les yeux. Ellie Semoun est là. Alors, bonjour, je cherche une blonde à forte poitrine, ayant dans son bec un fromage. Je n'ai vraiment rien, pas quoi dire. Attends. Il fait le saxophone, s'il te plaît.
Puis, fermez les yeux. Non, on a l'impression qu'il y a un trucage, mais le saxophone. Vous pouvez le regarder parce que vous n'allez pas croire que c'est vraiment de sa bouche que ça sort. Qu'est-ce que je vais faire au sax? C'est fort ça. Jean-Jacques Goldman, qu'il fait? Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines ou les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Oh là là. Il s'appelle Fabian Le Castel. Attends, une petite dernière. Allez, Abraham Simpson, le père dans Les Simpsons, du coup. Hé, merde, viens ici que je te batte les fesses. Oh, et arrête de me casser les murs. Ça m'emmerde, merde. Vous voyez cet épisode, cet épisode des Simpsons où ils sont au cinéma et il y a le son, le nouveau son. THX, Dolby System. Là, t'as des gars qui commencent à saigner du nez. Après, il y a des gars, les lunettes, elles pètent. Poum, 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 poum. Il y a des gars, les dents qui tombent. Et là, il y a un plan sur le grand pas. Montez le son, on n'entend rien. Montez le son, on n'entend rien. Le saxophone, tu sais faire un autre instrument ou... Non. Tu fais un orchestre non, complet. Pas de... Quoi? Tu fais un orchestre complet. Ah, mais je vais tenter. Je suis pas grand chose. Non, mais attends. Alors, juste pour terminer, tu nous fais un générique pour rentrer là-bas au saxophone, ah oui, le temps qu'on aille s'asseoir. Ah ouais. Juste, ah ouais. Juste, allez suivre Fabian sur le réseau, Fabian Le Castel. T'es en tournée en ce moment? Ouais, je suis allez, en tournée. Avec mon nouveau spectacle. Fabian Le Castel. Le 11 décembre à la Comédie de Lille, à Lyon, du 2 au 4 janvier prochain à l'Espace Gerson. Et voilà l'affiche, donc on peut retrouver en Belgique. Merci beaucoup, mon poulet, d'être venu. Merci. Merci mille fois. Tu nous fais le générique. Il était bon, lui, hein. Ah, il est bon, ouais. Il j'adore les mecs qui savent... faire des choses. Ouais, reproduire des voix comme ça. J'adore les mecs qui savent faire des choses. J'aime bien, ouais. Ça faire des choses. Qualitative. Qualitative. Bon, bah, merci cool, en tout cas d'avoir joué au jeu. Ouais, merci. Sur toutes les conneries, d'avoir tout, essayé de me faire. Piéger. Non, pas du tout. Allez voir le spectacle de Manu qui s'appelle Emmanuel. Est-ce qu'on peut remettre l'affiche, les copains, dans l'écran? Prolongation à l'Olympia, 21-22 septembre. Vous pouvez prendre les places avec le lien qui est en dessous de l'émission. Demain, entraînement. Prenez les places. Merci Manu, merci beaucoup. Merci à tout le monde.